Bonjour, je suis Sophie, chargée de recrutement au sein des équipes de Nexter KNDS et aujourd'hui, je vais vous présenter des conseils pour rédiger votre CV de manière efficace. Le premier serait d'avoir un CV déjà clair et structuré. Pour commencer, je débuterai par un titre du CV pour indiquer quel est le poste que vous occupez ou sinon vers le poste sur lequel vous souhaitez tendre. Pour compléter, j'indiquerai quelques lignes de présentation afin de développer vos ambitions, vos projets de reconversion ou tout simplement vos attentes concernant votre futur poste. À cela s'ajoute l'intérêt de mettre en avant aussi votre mobilité géographique. Si vous avez un souhait de mobilité en Île-de-France, à Bourges, à Roanne ou à Toulouse, n'hésitez pas à l'indiquer. Je vous conseille de bien vérifier vos coordonnées. Un zéro oublié dans votre numéro de téléphone ou une faute de frappe sur votre adresse mail peut vous faire passer à côté d'opportunités. Ne pas oublier de mettre en avant vos résultats concrets. En effet, c'est ce qui va montrer votre valeur ajoutée et également vos résultats auprès des recruteurs et des managers que vous allez rencontrer. Évitez les photos un peu fantaisistes. N'hésitez pas à mettre une photo où vous êtes professionnel dans un cadre lumineux. Je sais qu'on est à l'ère des filtres, mais évitez d'en abuser dans ce cadre. D'autre part, soyez honnête sur vos réalisations, vos attentes et également ce que vous souhaitez sur votre futur poste. Sur vos réalisations, trop exagérer ce que vous avez fait se sentira lors de l'entretien et lorsque le recruteur et le manager creuseront vos expériences. Et enfin, je sais que c'est un conseil un peu basique, mais évitez les fautes d'orthographe. N'hésitez pas à le faire relire. Cela vous permettra peut-être d'obtenir le job de vos rêves.